voilà, nous continuons notre voyage avec le mois d'août 2023. Je vous ai laissé l'énergie principale de l'année 2023 qui est le chariot, le numéro 7, accompagné, j'en suis certaine, de l'ermite. 2023, août 2023, comment recevoir sa guidance pour accéder à ses vœux. En énergie principale, j'ai l'hiérophante. Ça y est, on passe un cap. Ici, on s'élève. La spiritualité prend place. Vous êtes dans votre expérience humaine, mais vous détachez un peu du matériel. Vous comprenez que tout ne s'achète pas et que votre âme a besoin de s'élever. Remarquez, le personnage est une femme. Elle effectue les rituels avec grâce, calme. Elle a reçu la connaissance pour officier. Pour certains, un éveil a des capacités parce que vous êtes plus canaux aux vibrations. Je pense aussi à pouvoir féminin, les femmes sorcières, rituels et à la magie. Ici, l'âme qui agit. En complément à cette carte, j'ai le 9 d'eau. Le 9 d'eau. Grâce, joie, satisfaction d'avoir enfin trouvé la clé. La clé qui ouvre le coffre. Le 9. La clé, coffre, pierre. En combinaison de ces deux cartes, l'eau, le bleu, coffre, clé, grâce, complétude, connaissance, connaître. Le 9, on renaît. Ces femmes ont le pouvoir. Elles connaissent ce qu'elles font. J'ai l'impression que le chariot ici va être baptisé, recevoir une grande protection et de la poussière de fée pour s'élever, se désengluer de la boue du chemin. Et je vous invite à revoir l'analyse que j'ai faite par rapport aux chiffres. Ici, avec le hiérophant, je vous avais dit qu'on est avec 2 plus 3, le pape. On avait l'énergie du pape. Eh bien, on y est dans ce mois d'août, on a l'énergie du pape. On s'élève. Avant, on était dans l'énergie de l'empereur. Et on avait un empereur qui était très, très accroché au matériel et qui a alourdi beaucoup notre chariot. Notre chariot est vraiment très collé à la terre, englué. Ici, avec l'énergie du pape, on reçoit une bénédiction, ce qui va nous permettre de nous élever. Il va nous permettre de nous élever et de nous désengluer. Désengluer de la boue du chemin. Il va recevoir un trésor inestimable, ce chariot. On vous invite fortement à continuer votre éveil. Depuis avril, vous avez pris le chemin escarpé et monté très haut. Continuez, c'est votre âme qui vous appelle. Travaillez votre ancrage, l'instant présent, le bon sens et la foi. Et votre gratitude en tout ce qui est dans votre vie. Car vous allez recevoir un vœu, un rêve, un souhait se réalise. Ici, le chariot va prendre la couleur du triomphe, de la réussite, la satisfaction, la joie de tous vos efforts. Bien sûr, si vous avez accepté d'intégrer les leçons. Prenez un temps. Et pourquoi pas de nouveau, depuis le mois de juin, j'ai cet élément eau qui vient. Donc pourquoi pas avec l'élément eau, mer, étang, rivière, un bain, vous soulager des derniers mots, les mots réels, les mots du corps, et vous laisser aller à la joie, à la contemplation et le soulagement de voir les récompenses arriver en ce mois d'août 2023.